بلاش يكون داخل الدار لقيت زوج رجال كتابة سيب الواحد ما سكرهم ما عيطش للبوليس الله يا جارة وتكل عليا باش نوصلو بسكرة هي زوج واحد من بنات ولتمها وراجلك كيفاش؟ ناس مليح مش كيما انا واحد المرة جات سكتت بحدا دار اختي حكات كي كانت في الجبل مخطوفة صح انا علاش؟ تقول انت واحد من الجماعة هذوك ساعات نقول كل شيء حابس حتى حاجة ما رايحة تتبدل لا اله الا الله الله الكريم الله En attendant les hirondelles est un film qui raconte trois histoires dans lesquelles trois personnages sont en face de situations où elles doivent faire des choix. C'est un film qui met ces personnages, c'est un film qui présente des situations qu'on peut aussi connaître dans la vie de tous les jours. Et c'est des mini-choix à parfois, c'est des choix qui ne vont pas forcément bouleverser notre vie, mais qui impliquent la manière dont on va vivre. Et ça tourne autour de ça, de comment on se retrouve parfois dans des situations où on est obligé pour faire des choix, on est obligé d'abandonner quelque chose, de perdre quelque chose. Et aussi comment passer d'une situation de connu, d'un territoire où c'est balisé, où on se sent en sécurité, vers quelque chose qui n'est pas rassurant. Et d'où le choix compliqué, difficile des personnages. C'est des histoires qui m'ont été inspirées par des rencontres, par ce que je vois autour de moi, par des histoires personnelles. Et j'avais envie d'écrire autour de ça parce que je réfléchissais aussi à une époque, je pensais comment... J'essayais de réfléchir sur l'idée d'engagement. Et j'avais envie de raconter ces trois histoires pour parler de ce type d'engagement, ou pas. Enfin, dans le cas des personnages dans le film, on ne sait pas s'ils vont s'engager ou pas. Le contexte est algérien. Je pense qu'on est en Algérie, on est plus face à un certain nombre de situations qu'ailleurs. Et surtout quand je parle de la vie privée, quand je parle de ce qui s'est passé dans les années 90. Donc il y a forcément, quand je parle de la vie privée de mes deux personnages dans les deux histoires, parce qu'on sait comment ça se passe ici, c'est un peu, c'est différent. Enfin, je ne peux pas la raconter de la même manière comme ça pourrait se passer en Europe. Et aussi, un autre élément, c'est les années 90 en Algérie. Donc il y a ce passé-là donc, qui revient hanter la vie d'un de mes personnages dans la troisième histoire. Et de toute manière, dans les trois histoires, il y a un passé quelque part qui revient. Il y a un choix passé qui revient et qui hante les personnages d'une manière ou d'une autre. En tout cas, les jeunes ont vu que voilà, on peut faire un film. Et on peut le faire ici, à partir d'ici, mais bien sûr, moi je travaille en coproduction et avec tous les moyens. Tous les moyens nécessaires pour faire ce film, mais c'est là que je vis ici, donc je l'ai fait à partir d'ici. Et les jeunes peuvent voir qu'on peut faire des choses à partir d'ici. Peut-être c'est ça qui peut faire la différence. Il y a eu une ovation à l'appel de votre nom. Il y a la famille ou... Merci, sûrement. Et là, c'est comme si un premier en est grave. Moi j'étais super content parce que à Cannes, c'est clair que c'est la première plateforme où le film va être. Où le film a toutes ses chances d'être vu dans les meilleures conditions et par
un nombre important de spectateurs. C'est, si vous voulez, c'est l'endroit pour donner une chance très très importante, pour donner un bon coup de pouce au film. Voilà. On est très satisfait et ravi. Mais après, il y a aussi du travail qui reste à faire. Le film n'est pas encore sorti, il sort le 8 novembre en France, en Algérie en janvier peut-être. Et donc c'est pas fini, il reste encore du chemin à faire. Cannes, c'est bien, et c'est toujours bien de montrer une palme au début d'un film.